C'est l'heure du face-à-face de questions pour un champion ce soir entre Annie et Tony. Ouais. Bonne chance. Bonne chance. Deux finalistes, deux adversaires qui se savent mutuellement redoutables, n'ai-je pas raison? Ah oui. Hein, c'est vrai. Hein. Ça va être un très très beau match, très très beau face-à-face. Faisons connaissance un peu plus avant. Annie, rappelez-moi vos points forts, je sais qu'il y a l'histoire. L'histoire. La musique classique. Oui, 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 oui. La communication des animaux, je rajoute. Ah oui, ça, hein, je m'épate moi-même. Bah oui, hein. On a vu les abeilles, les éléphants. La mythologie. La mythologie. Mythologie, c'était aussi l'un des points forts de Tony, n'est-ce pas? Exactement, mythologie. Oui. Plutôt mythologie grecque et romaine, ouais. Ou un peu de scandinave aussi. Ok. Sinon... Oui, parce qu'on pense toujours à la mythologie grecque et romaine, oui, mais il y a bien d'autres mythologies. Oh, il y en a. Oh là, il y en a beaucoup, oui. Hein, autant que de peuple, oui. Et puis la mythologie, la science des mythos aussi, dont on ne parle pas souvent, mais qui est une science. Ah ça, il y en a beaucoup. Voilà. Merci aux rares dans le public qui ont compris ma pauvre blague. La science des mythos. Pardon. Tony, blague à part la mythologie. Ah, les animaux aussi. Oui, ah. Oui, la zoologie, et puis la géographie aussi, géographie, en général. Et en même temps, j'ai envie de dire, Tony et Annie, vous n'avez un peu que des points forts tous les deux parce que vous êtes deux joueurs impressionnants. Allez, on va jouer. Je vais d'abord rappeler à Annie qu'elle joue. Ça n'est pas rien. Bravo déjà pour ce parcours, Annie, pour une quatrième victoire avec nous ce soir. Elle n'est donc qu'à deux marches de la cagnotte. Tony à cinq de cette belle cagnotte de 39 000 €. 39 000 €. 20 secondes pour répondre à chaque question. À la maison, vous avez ce même temps, bien sûr, mais vous avez un petit indice en plus en bas de l'écran sur chaque question. Le premier, la première à 12 points, s'impose. Pour le second ou la seconde, il y aura ce cadeau. Ordissimo vous offre son smartphone intuitif, vraiment simple et performant. Téléphone, SMS et photos n'auront plus de secret pour vous avec Ordissimo. Larousse vous offre le petit Larousse illustré 2019 avec sa carte d'activation Internet et 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour actualiser vos connaissances de l'art. Deux 4 à la suite à l'instant par nos deux finalistes. C'est Tony qui s'est qualifié le premier, qui aura donc la main en premier sur cette question de culture générale. Voici l'indice dont je parlais, Tony. Je prends la main. Quel est top ce mot constituant le titre d'un livre d'Alphonse Boudard publié en 1974, je suis un nom populaire formé à partir d'une abréviation et d'un suffixe argotique. Utilisé comme nom commercial par certaines salles de cinéma, je suis également employé au sens figuré pour évoquer quelque chose d'invraisemblable ou pour parler d'une attitude qui semble exagérée ou affectée. Mot populaire servant à désigner couramment le cinéma. Le cinoche. Le cinoche. Ah, c'est pas bon. Bravo. Et la question disait, je suis également employé au sens figuré pour évoquer quelque chose d'invraisemblable ou parler d'une attitude qui semble exagérée. Ou affectée. Mmh. Quelqu'un qui fait son cinoche. Ah oui, d'accord. Hein, vous voyez, faire son cinoche. Une question maintenant de littérature, un indice toujours pour vous à la maison. C'est Annie qui choisit la stratégie et qui garde la main. Quelle est top cette personnalité née à Paris en 1634. De mon vrai nom, Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, ma famille était proche du cardinal de Richelieu. Femme de lettres, réputée pour mon érudition, j'ai fréquenté Mademoiselle de Scudéry, Jean de La Fontaine et fut intime avec La Rochefoucauld. Auteur de La Princesse de Montpensier, mon roman... Madame de Lafayette. Et la bonne réponse. 2 points pour Annie. Oui. Alors l'indice suivant, c'était, et là ça devenait beaucoup plus facile, mon roman La Princesse de Clèves. Voilà. Considéré comme le modèle du roman d'analyse, a connu un vif succès que l'on sait, Madame ou Comtesse de Lafayette. 2 points pour Annie. La main revient à Tony. C'est de la musique. Je prends. Vous cherchez... Top groupe de pop-rock écossais. J'ai été formé en 1978 par deux amis de Glasgow, Charlie Burchill et Jim Kerr. D'abord nommé Johnny and the Self-Abusers, avant de prendre un nom en référence à la chanson de Gene Genie. Cranberries. Pas les Cranberries. Top de David Bowie, j'enregistre en 1988 le titre Mandela Day pour l'anniversaire du futur dirigeant sud-africain. Groupe des années 80, interprète... Deep Purple. Non. Top de Alive and Kicking et Don't You Forget About Me. Je suis... Je connais pas. Non. Alive and Kicking... Quand je chante, c'est vrai que... Non, je vois pas du tout, non. Mais... Quand c'est eux, c'est mieux. Stand above me.
Simple Mind. Simple Mind, voilà. Live and Kicking, et là, c'était un extrait du deuxième titre que j'évoquais, Don't You Forget About Me. Annie, à vous. Religion. Je prends. Attention, top employé, dont un des noms évoque l'annexe d'un édifice religieux. J'étais autrefois appelé Suisse lorsque je portais une tenue d'apparat. Possédant... Le diacre ? Non. Top possédant une bonne connaissance du calendrier liturgique catholique, je veille au bon déroulement des offices et prépare la tenue du prêtre en fonction de la cérémonie du jour. Le vicaire ? Non plus. Top également chargé d'entretenir l'église et la pierre... Le bedeau ? Ah oui, c'est l'une des bonnes réponses, le bedeau. Ou le sacristain, aussi. Le marguillier était également une bonne réponse. Si vous aviez une de ces réponses à la maison, c'était bon. 2 points à nouveau pour Annie, 5-0 pour l'instant pour Tony. Une question à présent de gastronomie. Vous avez le droit à un indice, c'est Tony qui a la main. Je prends la main. Quel est Tony ? Top, cette pâtisserie dont le nom signifie gâteau à la crème. J'aurais été créée par des nonnes pour utiliser les jaunes d'œufs dont le blanc servait à l'amidonnage. Faite d'une pâte feuilletée, croustillante et d'un flan fondant, je suis une tarte... Nata. Et la bonne réponse. Nata ou pastel de nata ou pastéis de nata. L'une des trois réponses possibles pour ce gâteau portugais, d'origine portugaise, délicieux. D'ailleurs, allons un peu plus loin dans la question parce qu'il manquait beaucoup d'indices. Je suis une tartelette que l'on mange tiède, c'est meilleur, saupoudrée de sucre glace ou de cannelle, populaire dans les anciennes colonies portugaises, connue jusqu'en Chine. Je suis une spécialité de la ville de Lisbonne. L'avez-vous déjà goûté ? Oui, je l'ai goûté à Macao. Ah bah, on est en plein dans notre question, là. Tony, vous connaissiez ? Oui, je connaissais, c'est oui. C'est très bon. Ouais. Notamment à Lisbonne, il y a une célèbre pâtisserie où il y a la queue des maîtres et des maîtres et des maîtres de queue. Tous les touristes y vont. Rien n'est joué, Tony, vous connaissez bien ce jeu, le savez. Le match est en 12 points, même si Annie a pris l'ascendant et a la main pour une question d'histoire. Mais je crois. Vous cherchez Annie. Top cet événement dont l'instigateur fut le député Jean-Joseph Mounier. Je n'eus qu'un seul opposant au sein de l'Assemblée, Martin Dauch. La mise à mort de Louis XVI ? La condamnation à mort de Louis XVI ? Non, la main passe. Top donnant au futur maire de Paris, Bailly, l'honneur de commencer en tant que président Julieu dans une salle de loisirs de Versailles le 20 juin. Le serment du jeu de paume ? Et la bonne réponse, c'est ça. 20 juin 1789, alors que la salle habituelle avait été fermée, événement marqué par cette promesse des députés de ne pas se séparer avant d'avoir établi une constitution, c'est ça. C'est le serment du jeu de paume. Tony, 3 points. Et la main, architecture. Je prends la main. Vous cherchez tous les deux. Top, cet architecte né en 1939, j'ai fondé à 24 ans une agence pluridisciplinaire regroupant des architectes, des ingénieurs, des sociologues, concevant divers... Piano ? Pas piano. Top, divers ensembles de logements sociaux dans mon pays, l'Espagne. Bofill ? Ricardo Bofill, ouais, oui. C'est pas fini. Ah oui, zut. Annie, c'est tellement chou. Je me dis, oh, Annie, célèbre ces 3 points avec une telle joie. Je me demande si Annie n'a pas cru que c'était gagné. Oui. Et oui, puisque la main était pour Tony. Oui. Annie, encore fini. En tout cas, ça faisait plaisir à voir. Et effectivement, il manque encore un point. Et oui. Bravo, Ricardo Bofill, architecte catalan à qui l'on doit le quartier Antigone à Montpellier. Je suis Ricardo Bofill. Il nous manque un point. Un point, oui. Quelle stratégie pour aller le chercher ? Avec une question de sport. Je vous prends. Vous cherchez Tony, Annie, à la maison. Top, ce cycliste sacré champion de France amateur en 1946. En 1957, j'ai succédé à mon frère Jean au palmarès de la course. Gêne. Bobé ? Cette fois, c'est sûr. 4 points, Annie. Il y avait besoin d'un point. Quel match ! D'autant qu'Annie avait face à elle un joueur que vous connaissez, que je connais, qui est un grand joueur, c'est Tony. Bravo, là... Annie, là, ouais. Une 4e victoire, c'est quelque chose. Mais face à un joueur comme Tony, elle a encore plus de mérite et de saveur, cette victoire. Bravo. Tony, on vous applaudit pour ce beau parcours. Merci. Bravo, ça a été un plaisir de vous retrouver. Annie, Tony, vous applaudit. J'ai quand même réussi à marquer 3 points, c'est déjà bien. Annie, je suis très heureux pour vous, bien sûr. Moi aussi. Ce chemin se poursuit, ou pas d'ailleurs, vous allez me le dire dans un instant, mais d'abord un cadeau. Pour célébrer ses 70 ans, Scrabble vous offre l'édition anniversaire de son célèbre jeu et un abonnement à Scrabble Magazine, le magazine de tous les amateurs de Scrabble.
Royal Air Maroc vous emmène à la découverte de Marrakech où vous séjournerez au domaine des remparts, Hôtel Spa et Golf Resort pour vivre une expérience authentique au cœur de la Palmeraie. Vivez une semaine inoubliable avec Royal Air Maroc. Annie, un beau voyage que vous venez de gagner là. Et 3 000 euros. Eh oui, 4 victoires, 3 000 euros. Bon, alors on peut s'arrêter là avec le séjour à Marrakech, avec les 3 000 euros. Mais on peut aussi tenter une dernière victoire, la cinquième. Et Annie, dans ce cas, vous décrocheriez cette cagnotte qui n'a pas été gagnée depuis des mois et qui est ce soir à 39 100 euros. Annie, je vous laisse 5 secondes. C'est les 5 secondes obligatoires pour vous décider. Annie ? Moi, je crois que je reviens. Annie tente la cagnotte. C'est demain, c'est à ne pas rater dans Question pour un champion. Tony, Annie. Tony, ça a été un plaisir. Merci pour moi. Hein. De vous retrouver. Trop fort. Hein. Vraiment. Ouh. Beaucoup de courage. À bientôt. Hein. Félicitations, Annie. À demain, Annie. Hein. Oui, oui. Merci. Faut pas, pas rater hein, le rendez-vous. Hein. Là, c'est 18h10 avec Annie. Soyez là, les amis, parce que ce sera encore un bel épisode de notre jeu Question pour un champion. Passez une douce, une belle soirée. Prenez bien soin de vous, des autres. À demain.